engagé pour le Bénin et vit désormais en exil aux États-Unis, étant au Bénin sous le coup d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds. Comment réagit-il alors que le président Patrice Talon a déclaré il y a quelques jours sur RFI qu'il n'envisageait pas de gracier les opposants qui sont actuellement en prison et qui pourraient être condamnés pour tentative de déstabilisation du pays? Komi Koutché qui répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Docteur Komi Koutché, bonjour. Bonjour. Pour justifier la baisse de participation par rapport à 2016, le président Talon met en avant les violences qui ont émaillé la campagne électorale de cette année et il accuse plusieurs figures de l'opposition d'avoir planifié, avant le scrutin du 11 avril, une insurrection armée qui aurait visé à le renverser. Est-ce que vous vous sentez visé ? Jamais avant le président Patrice Talon, il y avait eu des scènes de violence. Mais depuis 2016, qu'il est au pouvoir, tous les trois rendez-vous électoraux qu'il a organisés n'ont pu se dénouer sans que des Béninois innocents ne tombent sur les balles d'une milice spécialement montée pour la circonstance. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a privatisé l'économie, il a privatisé l'arsenal institutionnel, il a privatisé l'espace électoral. Et donc, pour pérenniser ceci, il ne lui reste que la violence. En clair, M. Boisbouvier, la démocratie béninoise que vous avez connue depuis 1990 est aujourd'hui une démocratie totalement mise en berne. Le président Patrice Talon est le collecteur des ressources publiques à travers sa société Bénin Contrôle. Il collecte, il donne ce qu'il veut dans les caisses de l'État. Il contrôle le port, il contrôle l'aéroport, il contrôle le secteur hôtelier. Il a pris en otage et étouffé tous les opérateurs économiques. Et quand quelqu'un est comme ça, il ne lui reste qu'une seule chose, installer un empire et utiliser des employés, des gens qu'il peut manipuler pour pouvoir le pérenniser. Et pour ça, il n'y a que la force brutale. Docteur Komi Koutché, vous dites que les violences viennent du pouvoir, mais début avril, juste avant le scrutin, vous avez enregistré deux vidéos dans lesquelles vous appeliez les Béninois à manifester contre le régime. Est-ce que ce n'était pas un appel à l'insurrection? Moi, je suis aux États-Unis, le pays de référence de la démocratie au monde. Et vous comprenez qu'avec tout ce que je jouis comme vertu de la démocratie ici aux États-Unis, je ne peux pas appeler à la violence. J'ai appelé à des manifestations pacifiques, non violentes, mouchoir en main, et les populations ont suivi massivement cette manifestation pacifique jusqu'à ce qu'il soit ordonné à une milice d'aller tirer ouvertement sur les populations qui étaient en manifestation pacifique. Actuellement, il y a plusieurs figures de l'opposition en prison, parmi elles Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvaud, mais le pouvoir dit que la justice détient la preuve que ces personnes ont planifié des actions violentes dans le centre-nord du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez de quelle justice? Le Bénin n'a plus de justice. La justice républicaine a été remplacée depuis 2016 par la justice privée du président Patrice Talon. La Cour africaine des droits de l'homme a pu donner des instructions claires sur ce qui convient d'appeler aberration judiciaire que le président Patrice Talon utilise aujourd'hui pour réprimer ses opposants. Le cas Rekia Madougou et Joël Aïvaud sont illustratifs. Ces deux cas-là sont illustratifs de ces aberrations. On reproche à Rekia Madougou d'avoir financé ses partisans pour 15 millions de francs CFA. Vous voyez ce que ça fait pour une candidate d'un parti comme le parti les démocrates. On lui reproche pourquoi, après le rejet de sa candidature, elle met 15 millions à la disposition de ses partisans. Nous sommes dans un pays démocratique. La contestation est une vertu de la démocratie. Je ne pense pas qu'il soit vraiment raisonnable et du bon sens qu'on reproche à une candidate de financer à 15 millions de francs CFA convertis en euros. Vous verrez que c'est rien du tout pour aller expliquer comment sa candidature a été rejetée. Si tant est-il que la contestation est une vertu de la démocratie. Joël Aïvaud, on lui reproche le blanchiment de capitaux et d'appel à l'insurrection. Quand je prends l'aspect blanchiment de capitaux, de façon terre à terre, ancien ministre des Finances que je suis, un blanchiment suppose de l'argent gagné d'une origine criminelle et recyclé dans une fin objectivement justifiable. Joël Aïvaud, on ne nous a pas encore dit de quelle source criminelle il a pu gagner cet argent-là. Donc, en clair, il a été simplement question d'embastiller les quelques rares têtes qui restaient encore et derrière lesquelles le peuple pouvait s'aligner si les élections étaient ouverte. Mais si vous citez seulement les cas Joël Aïvaud et Rekia Madougou, c'est que vous taisez les près de 500 arrestations extrajudiciaires qu'il y a eu depuis que cette parodie électorale a été organisée. Les États-Unis il y a 3 semaines, la France cette semaine, par une lettre d'Emmanuel Macron à Patrice Talon, appelle le chef de l'État béninois à respecter la démocratie et les droits de l'homme. Mais le président du Bénin ne peut-il pas en profiter pour souder la population béninoise contre les donneurs de leçons occidentaux? Est-ce que ceux-là sont des donneurs de leçons occidentaux? Ceux-là sont plutôt des gens qui veulent que le label démocratique béninois soit préservé.
J'ai vu la lettre des États-Unis, j'ai vu la récente lettre du président Macron que le président Talon, avec sa cellule de propagande, fait passer pour une lettre de félicitations. Je tiens à féliciter le président Macron, qui n'a pas changé. Bon, j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant que nous étions encore tous deux plus jeunes ministres du Conseil des ministres de la zone franc. Je crois qu'il n'a pas changé de principe. Il aurait pu faire comme tout le monde, vouloir l'encenser et dire lettre de félicitations, mais il lui a donné une bonne leçon de morale démocratique. Les États-Unis ont fait pareil. Ce n'est pas une question de donneur de leçons, c'est une question plutôt d'appel à la raison. Le président Patrice Talon est complètement à l'antipode aujourd'hui de tous les principes qui l'ont amené lui-même au pouvoir. Docteur Komi Koutché, merci.